Culminant à 3071 mètres, le Piton des Neiges est le plus haut sommet de la Réunion. Avec près de 55 000 randonneurs par an, son refuge reste le plus fréquenté de l'île. Le département, propriétaire du site, a lancé des travaux d'assainissement des déchets qui sont à présent terminés. Alors, le département nous a confié cette mission de nettoyage et évacuation des déchets issus donc du refuge depuis pas mal d'années. Et donc on avait aussi en charge l'évacuation d'une quinzaine de cuves qu'il a fallu donc transférer sur le site de Sillaos pour une évacuation après sur Saint-Pierre. J'espère que ça va apporter une amélioration au niveau des fosses septiques. Là déjà tous ces fosses enlevées, c'est déjà plus beau. Il y avait trop de citernes qui déposaient autour du gîte, donc il fallait à tout prix les enlever. Le département souhaite valoriser ce refuge. Pour cela, d'autres travaux de réhabilitation sont prévus pour les prochaines années. La deuxième phase, ce sera en fait des travaux conservatoires sur le gîte existant. Et la dernière grosse opération qui sera menée sera une reconstruction dans 5-7 ans du gîte actuel. Pour donner en fait un meilleur confort à la fois aux gîteurs, aux randonneurs et donner une meilleure vision de l'île, notamment dans ses montagnes. Le département souhaite faire du gîte du Piton des Neiges un hébergement de qualité au cœur du patrimoine naturel de la Réunion.